Nous sommes partis pour cette winner finale qui s'annonce explosive entre les jeux agressifs de Silver et les jeux agressifs de Mayo. On va avoir des belles choses de voir sur live pour le game. Silver qui jouera Dr. Mario, c'est le premier d'office. Je pense que Pichu il avait un peu peur. On va voir un petit peu comment ça va se passer. On est sur un BO5, donc on a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. Saito qui va remonter demain son match. C'est chaud Saito. Hein. Il perdait 1-0 mes souvenirs de ce que j'ai vu tout à l'heure. Au niveau des votes, on a eu 8 personnes qui ont voté 50-50 au niveau des votes. 4 personnes pour Mario, 4 personnes pour Silver. 290 points en jeu actuellement. Donc attention, hein, c'est pas assez très serré. Et mon dieu Silver qui espérait que ce match passé, ça ne passera pas. Puisque le KO Punch passera directement derrière. Bien joué de la part de Mario. Dommage Silver qui n'a pas anticipé ce KO Punch. Je vous dash attack directement. Je sais pas si ça combo dash attack, mais en tout cas c'est fort. Hein. C'est très très fort. M-Bubs, regarde le cadeau que te fait Silver en jouant ce Docteur Mario pour cette winner finale. Là, je t'ai pas trouvé directement pour l'instant, moi, Silver, qui est un petit peu détruit, qui se fait un peu détruire cette première game. C'est compliqué avec Docteur Mario, j'ai l'impression. Les gens qui ont voté Silver en sueur, pas forcément. Attention, la demi-quête trouvée, je vois le stock directement. On revient à 2 stocks. Silver, c'est le mec qui peut se faire 3 stocks et derrière 3 stocks le mec. Hein. Donc attention! C'est le petit qui va être trouvé. Et la première game sera finie en 1 minute 13. 1-0 pour Mayo. Non, on est en BO5, les gars. On est en BO5. Ah, Silver qui trigger contre les Smash. TC Chaos DPF. Ah, Silver il pourrait partir sur un Pichu derrière. Ce qu'il faut c'est que Silver accepte de garder sa distance en fait sur Little Mac. Silver c'est un joueur très agressif qui fonce sur le joueur qui sait pas faire ses combos setup. Qui sait jouer ses frames info. Mais Little Mac, le problème c'est que ça a fait beaucoup de smash en défensive et de super armor. Donc avoir qu'il accepte de jouer plus à distance son jeu. Peut-être plus de pile ou du coup sur Pichu plus de Benetral. Et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Peut-être aussi un Young Link pourrait être intéressant après aussi. En tout cas, on partira sur Smashville pour cette seconde manche. On va voir si Silver arrive à se concentrer et à faire son mieux pour se trouver dans la game. Dans Smash, j'ai commencé à être 31% déjà de nuit. En tout cas, c'est bien, avec les paris, vous êtes déjà dans l'encouragement des joueurs pour lesquels vous avez voté. Et pour l'instant, en tout cas. Je trouve qu'il y a un mec qui a une meilleure portée qu'avant sur ses coups par rapport à Smash 4. Il va venir directement pour annuler le saut. Et il fait beaucoup d'aériens Silver, mais il se fait gratter lui-même le pourcent. Hein. Attention quand même, ça reste Pichu. Pichu, le moindre smash de... Oh, le de... Tilt qui... Pas Dolchi, pardon, mais le Jablock, pardon. Qui va être trouvé. Malheureusement, il a sa recovery directement sur le smash de Little Mac. Et le premier stock est parti. Tout le monde s'en fout, le smasher. Je te jure. Attention, le KO. Attention, KO qui pourrait être très vite trouvé. Cette première phase. Waouh, les super amorts. Silver il est trop agressif. Hein. Je pense que Silver est trop agressif. Il va falloir qu'il se pose et qu'il trouve son jeu défensif. Parce que pour l'instant, ça ne veut pas. Ça ne veut pas du côté de Silver passer. Et dans ce match, il va trouver peut-être un stock enfin. Allez, le dernier qui va enfin être trouvé. Premier edge guard pour Silver. Il va falloir qu'il joue maintenant. Safe et qui se prenne le moins de smash possible, Silver. S'il va être tranquille, le donner qui passera pas direct en puni par un side B. Attention, Silver. Et malheureusement, le side B qui passera derrière. Mayo qui n'hésite pas à mettre ses points en moins d'une minute 30 encore une fois. Et 2-0 pour Mayo. Mais le match n'est pas fini. Parce que nous sommes en BO5. Oh, violent. Hein. Violent. Silver il y a un trigger un petit peu contre Little Mac. Et on l'a vu hein. Un petit peu trop agressif. Un petit peu trop Gaza qui nous dit son side B passe à travers la bedrock de Minecraft JPP. Silver trop agressif. Silver. Il fonce dans l'espace en fait. Il accepte pas de devoir jouer à distance, je pense. Parce que Little Mac à distance ou en hauteur tu le prends. Par contre, au corps à corps, c'est le meilleur perso du jeu. Même si c'est le perso le moins bon du jeu. D'après les tier list, et encore on n'est pas sûr. Ça reste malgré tout un perso qui sur un edgeguard se fait niquer par n'importe quoi. Et à distance il peut rien faire. On va voir si Silver va faire un jeu de plus intensif. C'est ce qu'il va essayer de créer sur cette plateforme de PS2.
problème c'est que la Pichu à distance c'est compliqué parce que tu peux pas trop se zoner non plus. Ouais, malheureusement c'est un smash qui est passé, oh là là, c'est le smash pardon. C'est le smash. Et Sildor il y arrive pas, hein. Sildor il y arrive pas. Il se prend tellement tous les hits. Allez bien voilà le Dunby là par contre c'était ce qu'il fallait faire, le side B encore une fois. Mayo il lui laisse aucune. On dirait qu'il a un jeu de frame pardon de. Je sais plus comment on dit, j'ai plus les termes, pardon, pour plus les termes, c'est pas grave. De punish et de frame trap, voilà. Incroyable avec celui de Max sur l'edge. Alors que Wally l'emporte 2-1 face à Fro. Il va falloir vraiment que Sildor essaie de jouer plus safe. Hein. Le problème c'est que jouer safe avec Pichu, bah c'est compliqué parce que la moindre erreur t'es puni et tu te fais vite farmer les dégâts en fait. Donc il va falloir vraiment trouver une solution pour que Sildor puisse espérer revenir dans cette winner finale. Mais là il rentre son dernier stock suite à ce jab. Est-ce que ça va être le 3-0 sec de Mayo, Don Bigger 3 très grave. Bien joué de stock, mais un stock complètement de retard. Faut que Sildor arrive à faire le taf, le dernier qui va être touché, 20% de vie quand même malgré tout. Et franchement en fait t'as tellement de coups qui sont bien dans le neutral avec Idomac. Corps à corps c'est vraiment dur. Et pour l'instant Sildor qui gratte un petit peu comme il peut. Et mieux que je joue défensif, il a raison. Hein. Il a le stock d'avance, il a pas de raison de se précipiter. Vous avez vu encore une fois ce cancel qu'il a fait, ce jab en avançant. Il les joue vraiment bien Mayo, c'est le seul que je vois faire ça ici. Hein. C'est le seul que je vois utiliser ces dash cancel. À merveille, et c'est tilt cancel aussi je pense. Wouah, mais arrêtez avec les paris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi tout le pari sur tous les deux coups? Mayo il est là, Mayo il se laisse pas faire. Mayo il est intouchable, c'est un match qu'il a trouvé sur la route directement. Et 69% magique, peut-être Sildor pour le comeback. Dernier stock sur ce round, le jab qui va être trouvé. C'est left, pardon, merci Mbubs de me reprendre. Le match qui va être trouvé. Et Sildor qui a du mal, Sildor qui est en difficulté. Par la seule malheureux coup de solitaire Mac qui va trouver le stock. Et 3-0.